Bonjour et bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Aujourd'hui, nous allons tester un nouveau mode de trading sur la chaîne. Souvenez-vous, le trading comporte des risques et il est toujours important d'effectuer ses propres recherches avant de se lancer. Les émotions jouent un rôle clé dans le succès du trading, alors restez discipliné et informé pour maximiser vos chances de réussite. C'est parti. Sans plus tarder, passons maintenant aux caractéristiques. Déjà, le nom du bot, c'est le digit under. Vous pouvez l'utiliser sur le site de app.derive.com/bot. Vous pouvez voir ce lien dans la description. C'est un site web et l'inscription est rapide. C'est par rapport au marché à trader, ce sera en fait l'indice volatilité 100. Ce sont en fait des short trades, des courtes trades de quelques secondes sur le marché. Et donc, chaque trade, le bot va engager 0,80$ de votre capital et lorsque vous allez gagner, en fait, vous allez gagner 1,60$. Et en cas de perte, vous allez perdre moins 0,35$ par rapport au capital recommandé. Ce sera de 50$ et il faut toujours se fixer un objectif. Je vous suggère toujours de fixer un objectif entre 2 et 5$. Par rapport au capital que le bot va engager, en fait, va lancer en fait son trade tout à l'heure, vous allez voir clairement en fait comment cela évolue, parce que ceci c'est juste la condition de base. Donc disons en fait que le trade a été perdant une fois, et donc au cours du deuxième trade, en fait, peut-être que le bot va engager un peu plus que 0,80$ pour rattraper le trade précédent. On va voir tout à l'heure, mais nous allons interpréter les résultats après. Et maintenant, passons à la mise en place du bot. Donc, on va sur Blue de bord ici, et vous allez télécharger le bot, le lien sera dans la description. Vous allez l'importer et cliquer sur Digit Under. Vous allez le télécharger, puis l'importer. Une fois que vous l'avez cliqué, vous êtes retourné dans Graphique. Et maintenant, nous allons lancer le bot. Et maintenant, je vais effectuer 100 trades consécutifs, et après, on va voir les résultats. Et comme d'habitude, en fait, je vais effectuer un avancé rapide son trade, et après on se retrouve à l'interprétation des résultats obtenus.
Et maintenant, sans plus tarder, passons maintenant au résultat des trades. Je vais uploader ce fichier dans le lien dans la description avec le bot. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement. Déjà, pour voir ici, au début du compte, en fait, nous étions à 10 173,79 et à la fin, nous étions à 10 182,85. Nous avions eu un gain de 8,85 $. Et là, je tiens vraiment à expliquer. Si vous avez suivi en fait le timelapse que je viens d'effectuer tout à l'heure, le bot s'est arrêté à 54 trades. Il y avait eu, je ne sais pas, un bug ou quelque chose comme ça, mais ça s'est arrêté à 54 trades. Et pour être plus cohérent, alors je n'ai pris que les 50 premiers trades pour interpréter les résultats. Bien évidemment, vous devez toujours backtester le bot depuis chez vous, voir quels sont les paramètres qui sont les mieux adaptés, les jours, l'heure et tout ça. Et vous allez pouvoir utiliser le bot selon vos objectifs après. Mais avec ce bot, en fait, avec 50 trades, je tiens à préciser que le nombre de trades perdants est de 39 et qu'on avait eu que 11 trades gagnantes. Mais quand même, nous avons eu ici un gain de 8,85 $ malgré ces chiffres. Et par rapport au nombre de trades consécutives gagnantes et perdantes, en fait, je pense que je me suis trompé dans les chiffres, mais plutôt que c'est plutôt 2 par ici et 8 par ici. Il y avait plus de trades consécutives perdantes que de trades consécutives gagnantes, en fait. Et vous pouvez le voir ici, les deux trades consécutives gagnantes, c'était seulement par ici, mais il n'y avait que des trades consécutives perdantes après. Et malgré cela, le bot est en positif. Je tiens à préciser, je vous dis, il est mieux de regarder, en fait, le timelapse, mais le bot n'engage pas beaucoup de capital, en fait. Vous pouvez le voir ou revoir dans la vidéo, mais le bot ne va jamais engager plus de 3 $ dans votre trade, même après 5 trades ou 6 trades ou 8 trades consécutifs perdants. C'est un point vraiment positif. Et donc, ça se termine ici. Je pense qu'on a tout vu. Vous devez impérativement télécharger le fichier et le tester depuis chez vous. Et sur ce, nous allons passer. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vais uploader cette vidéo ce soir. Et on se dit à la prochaine vidéo.